Bonjour à tous. Bonjour Letty. Mais tu sembles bien occupée et super concentrée. Tu lis quoi? Je lis une histoire très intéressante dans la Bible. Elle parle de Jésus. Et elle dit quoi, ton histoire? La Bible dit qu'il y a très longtemps, très très longtemps, Jésus vivait au ciel avec Dieu et tous les anges. Et un jour, Jésus est venu sur terre pour naître comme un petit bébé et vivre parmi nous parce qu'il nous aime. Et tu as lu la suite de l'histoire? Non, je n'ai pas encore fini de lire. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur terre avec Jésus. Et puis après, il est retourné au ciel et il veut que nous soyons avec lui. Il y a un verset dans la Bible qui le dit. Il dit, le Seigneur dit, je t'aime. Et c'est ça le verset à mémoriser, pardon, je voulais dire. Ah oui, c'est le prophète Jérémie qui le dit. Oui. Et je connais un chant qui le dit aussi. Ah, j'aime bien les chants. Écoute, ça serait plus facile si, pour apprendre le verset, on le chantait. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Alors, le chant dit, Jésus m'aime, c'est tout. Hein, c'est bien. On y va? Oui. Jésus m'aime, c'est bien vrai. Non, c'est pas ce chant-là. J'en prends un autre. Attends, je cherche. Je te laisse chercher, j'attends. Et le Seigneur dit, je t'aime. Ah, c'est ce chant-là, tu te rappelles? Tu peux, je vais te suivre. Le Seigneur dit, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Le Seigneur dit, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. J'aime bien cette chanson. Tati, tu voudrais nous raconter l'histoire de Jésus quand il était un tout petit bébé? Bonne idée. Oh, attention. On commence. Alors. C'est l'heure. Attention. Filles et garçons, aujourd'hui, on entre dans l'histoire. Alors, on s'installe bien confortablement par terre, comme si on était des bergers assis dans l'herbe. Tu vois, regardez les enfants, on est presque habillés comme eux, comme les bergers. Il y avait des bergers qui gardaient leur troupeau de moutons dans les collines. Tu crois qu'ils avaient froid la nuit dehors à attendre comme ça? Non, je ne pense pas qu'ils avaient froid. Et puis, il n'y avait pas de neige. Sinon, les moutons, ils ne pourraient pas manger de l'herbe s'il y avait de la neige. C'est vrai. Alors, ils n'avaient pas trop froid. Et puis, les bergers ne faisaient pas qu'attendre sans rien faire. Ils surveillaient les animaux, ils veillaient sur le troupeau en observant de temps en temps les étoiles et puis ils discutaient entre eux. Est-ce qu'ils avaient des lampes pour surveiller les moutons? Il devait faire noir quand même malgré les étoiles. Peut-être qu'ils avaient des lampes, mais les bergers, ils avaient l'habitude de rester dehors dans la nuit. Quand soudain, ils virent une grande lumière. C'est super fort. Ah, les enfants, cachez vos yeux. C'est quoi cette lumière? Oh là là! Les bergers ont dû cacher leur visage aussi, hein. Ça c'est sûr. Ils ont vu un ange du ciel. Mais l'ange les rassure et leur dit, n'ayez pas peur. Parce que Jésus est né à Bethléem. Ah, c'était pour annoncer ça. Et tout à coup, oh là là! Quoi? Il y a eu beaucoup d'anges qui sont venus. Regarde comme ça. Oh là là! Voilà beaucoup d'anges, tu vois? Beaucoup! Voilà plein. Et ils ont fait quoi, les anges? Les anges étaient joyeux de savoir que Dieu montrait aussi son amour en envoyant Jésus pour nous. Alors,
les anges, ils sont venus aussi et ils ont chanté un merveilleux chant pour les bergers. Oui. Ça devait être beau. Tu connais le chant, Tati, qu'ils ont chanté? Non, je ne le connais pas. Et puis tu sais, hein, ça aurait été impossible pour moi de le chanter comme eux. Mais je connais d'autres chants qui parlent de la naissance de Jésus. Et toi aussi? Oui, oui, oui. Moi aussi, j'en connais plein qui sont beaux aussi. Mais ils ont fait quoi les anges après le chant? Eh bien, quand ils ont fini leur merveilleux chant, les anges ont disparu et tout est redevenu noir. Eh bien, ça devait vraiment être beau, tous ces anges lumineux en train de chanter. Tati, si nous on faisait aussi un ciel tout lumineux, j'aimerais bien aussi, on pourrait y coller plein d'étoiles. Eh bien, voilà, c'est une idée, regarde. Tu vois, là, j'ai amené un petit ciel, un tout petit ciel, hein, et j'ai mis des moutons, tu vois, là. Oui. Après, où sont les étoiles, les enfants? Montre aux enfants, Letty. En haut, voilà. Dans le ciel. Et on va coller encore deux autres étoiles, toutes jaunes. Regarde, elles sont là. Si tu veux, tu peux coller deux autres étoiles et on va faire voir aux enfants. Voilà. Moi, je veux mettre ici. Et il y en a encore une autre. Et c'est là, encore plus haut. Voilà. C'est joli. C'est très joli. C'est joli, les enfants. Bon. Et voilà. Ensuite, alors, les bergers, ils ont fait quoi? Alors, ils ont fait quoi? Eh bien, nous verrons cela la prochaine fois. Ah. Mais avant de se quitter... Les enfants, et bien Letty et moi, on va chanter la chanson, tu sais, du début, celle qui dit... Ah, celle que j'aimais bien. Avec les gestes, là, d'accord, tu sais. D'accord, d'accord. Voilà. Le Seigneur dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le Seigneur dit je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Bravo les enfants, vous avez bien chanté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Au revoir les enfants, à bientôt.